Des Nissan en pagaille sur le terminal roulier du Havre, c'est bientôt fini. Le port et son prestataire CAT se sont fait ravir le marché du constructeur japonais par le port de Zeebruges. À partir de février, les voitures fabriquées en Angleterre à Newcastle arriveront sur le continent par la Belgique. C'est une grosse perte pour le port du Havre qui explique succinctement que c'est la vie commerciale. La concurrence est en effet très forte entre les ports dans le trafic roulier. Zeebruges annonce un volume de 95 000 voitures destinées au marché français et au Benelux. Le contrat dure 3 ans. Le Havre s'était fixé comme objectif 500 000 véhicules par an d'ici 2015, un chiffre plus qu'hypothétique aujourd'hui.